Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Europa Universalis 4, hein, toujours avec l'Ethiopie, et on était toujours en train de se préparer à nettoyer un peu les rebelles. Ah, le siège d'Alexandrie qui tombe à 14% pour commencer l'épisode, ça fait toujours plaisir. Ici, on va choper 18 000 relous. Et ça fera du bien. Et surtout, si tu veux me rejoindre, mec, fais-toi plaisir. Ah putain, c'est abusé ce siège qui tombe là. Il va falloir qu'on le refasse alors qu'on a des gens qui foutent la merde dans notre dos. Donc on va y aller. Ah, il y a les séparatistes Mocha. Ah non, j'ai mal vu. Merca. Ok. Ça va, c'est moins grave. Bon bah ici du coup on va se poser là, est-ce qu'on peut mettre suffisamment de troupes? Oui, on peut mettre suffisamment de troupes pour pas prendre d'attrition, donc on va se poser là pour reprendre le siège. Avec un peu de bol, ils vont se retourner chez les Ottomans, nous lâcher un peu la grappe. On va trêver avec Mélinde à expirer, pour l'instant c'est pas un problème. Ça fait un trou dans le budget hein, de perdre ça, mais bon bah tant pis. Tiens, c'est quoi ça? Occupé par Venise. Aragon, Venise et Portugal, ok. Venise va peut-être débarquer là. Intéressant. Ok, lui retourne chez les Ottomans, c'est parfait. Si les Ottomans avaient envie d'utiliser un peu de leurs 200 000 hommes pour s'en occuper, ce serait vachement sympa. Ils en sont où les Ottomans? Ah putain, mais ça fait pas pause. 150 000 hommes, 70 000 de réserves militaires, ils ont quand même souffert. Hein. C'est plutôt pas mal. Si on enlève la recherche. On est où? On a le Ming qui est là, la Russie, la France qui est pas si bien placée au final. Hein. Nous on est à 37 000. Je sais pas pourquoi il nous faut avant la Grande-Bretagne et compagnie, mais... admettons. Ah, ça y est, lui, il a terminé sa mission, enfin. Vas-y, occupe-toi des mers. Ouais, j'avais peur qu'il jette le diplomate dehors, mais en fait, ça va, il est juste arrêté. Par contre, nous, ça tombe pas à 14%, hein, bien sûr. Ce serait trop facile. Ici, Mogadiscio, ça avance bien. 42%, putain, les relous. Ah merde, on a été découvert chez eux là. Bon bah trop tard, on va le rappeler, c'est pas grave. On va caler une deuxième personne pour s'occuper des pays voisins. Les alliés c'est bon. Ouais, quoique non, améliorer les relations avec Mélinde, ça m'intéresse pas des masses. Ici, on va essayer de garder nos relations au beau fixe avec ces gens. L'Autriche, la vassalisation, non. Ouais, il y aura peut-être moyen, on va essayer. Merde, pourquoi je les ai envoyés faire un réseau, bordel, c'est pas du tout ce que je voulais faire. C'était des relations diplomatiques que je voulais faire, moi. Bah, c'est pas grave, pour la peine, on va insulter les Mamelouks. Hop, voilà. Ici c'est le drame là. Est-ce qu'il y a moyen qu'ils nous fassent tomber ça, bordel, c'est ouf quoi. 42%. Ah, ici l'Ottoman y va, parfait. Oh putain, mais c'est abusé. Bon, ok, très très bien. On va laisser ce qu'il faut pour le siège. Et on va se barrer parce que c'est pas possible. Hein. Je sais que ça va, on va perdre en poids, mais c'est bon quoi. Alors du coup, les diplomates, on va en renvoyer un là. Voilà, amélioration, c'est ça. La Crimée qui est toujours en vie, très très, très, très intéressant. Eux, ils sont alliés à Kiev. Kiev. C'est où ça, Kiev? Je me poussais. La Transoxiane qui est alliée à la Perse, hein, si je ne m'abuse.
pourrait éventuellement être un choix. On va l'envoyer aussi quelqu'un là-bas. On va faire bosser un peu nos diplomates. Bon, lui, il s'est occupé des rebelles, c'est parfait. On a une colonie autosuffisante. Et on peut plus revendiquer le Caire. Ah, dommage. Ça, alors, ici. Donc là, on a tout sauf les îles Maurice. On pourrait aller squatter ça. Après, ça serait pas mal éventuellement de commencer à avancer par là-bas pour joindre ça et voir si on peut pas grandir dans le coin. Alors, bah pour le coup, on va les envoyer à Rosette. Nord d'armée se dégrade. Bordel. On va prendre le coup. Je sais pas bien pourquoi elle se dégrade, mais elle se dégrade. Mogadiscio s'en est où? Ouais, ça avance. Ça avance, mais on devrait avoir le temps de traverser. Pff, ici, ça va pas tomber, quoi. Mobilité sociale. Ouf. Ouh là là. Les nobles et les clercs perdent 20 en loyauté. Ou alors c'est le drame. D'accord. Très très bien. On peut faire un don et gagner en loyauté. Eux, on peut leur donner un petit peu de soutien. Ouais, les clercs vont gueuler grave, mais en même temps, je suis bien désolé pour eux, mais je vais pas prendre un emprunt pour ça. Et ça, c'est quand? C'est en 93, donc non, on peut pas s'opposer à ces hommes nouveaux. Je suis un peu désolé pour eux, mais c'est pas grave. Hein. Allez, ici, on s'occupe d'eux. Non mais le siège d'Alexandrie c'est fait, parfait. Lui il va s'occuper de ça, donc toi tu te pointes. Ici on les écrase. Toi tu te pointes avec un général pour aller plus vite. S'il te plaît. Voilà, on laisse un péon sur place et on va s'occuper des relous. Bon, et du coup, ces gens m'embêtent. Ici, on est repassé à 1100, d'accord, ok, très très bien, ça fait plaisir. Pourquoi? Sûrement parce que on a fini de légitimer ces trucs-là. Toujours plaisir. La capitale, est-ce que la capitale est bientôt? Oui, la capitale l'a bientôt, ça devrait faire un trou dans le budget. Dès que la capitale l'a, on arrête les conneries, on le prend. T'es en guerre contre Aragon et Venise, Maroc. Moi, je m'en fous de ta vie. Droit de colonisation du Nouveau Monde, c'est arrêté pour eux. On pourrait les reprendre. Puisqu'on continue de coloniser. Ah putain, mais c'est pas possible! Demi-tour! Oh la vache quoi! Indépendance du Yémen à Taïz. Ouais, alors là, faut peut-être arrêter de se foutre de ma gueule, vous allez. Arrêtez vos conneries. Ici. Ah, les Mamelouks qui prennent en Rosette, quoi. Putain, du coup, on leur a sauté dessus, merde. Ouais. Au moins j'avais mis un général, mais c'est compliqué quand même. Alodi, tu voudrais pas venir m'aider? Non? Bon bah non. Ok. Merci Alodi. Ça serait passé avec toi. Toi tu vas où? Tu vas là, donc arrête-toi là par exemple. Oh là là. Comme ça fait mal quoi. Là, ici on va sauter sur ces cons. Revendication. On revendique Kargash et les Mamelouks, hein, pourquoi pas. Allez, on va reprendre tout ce territoire là. Voilà, scindez-vous. Hop, vous allez là-bas. Vous scindez, vous allez à Mogadiscio. Vous scindez, vous allez là, voilà. Ça devrait rééquilibrer un peu nos revenus. Ici ils vont où? Ils vont à Alexandrie.
Je sais pas pourquoi ils y vont en bateau et pas à pied, mais ok, pourquoi pas. Ok, ici on reprend des sièges, et on pourra donc renvoyer les troupes au nord. Ok, regroupez-vous là, vous. Ah putain, on est de nouveau dans le mal niveau réserve, quoi. C'est absolument abusé. Retournez rejoindre les copains. Alors, au niveau des conversions. Barawa. Barawa, 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 c'est là. Ok, donc là, je pourrais complètement mettre un édit unité religieuse imposée. Et ça, je pense que ça serait rentable. Alors, Barawa, Mecca. Barawa, c'est parti. On peut prendre une doctrine. Coup des conseillers et commandant sans frais de maintien plus 1. Ouais, c'est pas une priorité pour l'instant. Ça nous débloquerait ça, cela dit. Coup de légitimation moins 10%. Non, 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 non. Faut vraiment qu'on prenne les techs. Nos sous sont dramatiques. Ouais. J'avais dit que je le prendrais une fois que la capitale l'aurait. Ça y est, elle l'a ou pas? C'est adopté. Ça a baissé un peu en dessous, mais là il faut vraiment se bouger. D'autant que ça se répand aussi ailleurs, donc non, faut qu'on arrête les conneries là. Donc on va payer pour cette institution. Voilà. On adopte l'institution. On est bien en pause, donc on perdra pas de points. On prend cette tech, on prend cette tech et cette tech. Voilà. On arrête de perdre des trucs. On a des hussards africains. On les prend. On peut direct rembourser un impôt. C'est parti. Et on peut prendre une doctrine, mais on est quand même en retard dans notre tech, et celle-là va être intéressante, donc on va attendre 2 secondes. Est-ce qu'on peut pas taxer des troupes hein? Non, j'imagine que non. Hein. Exiger des troupes, on l'a déjà fait. Ouais, malheureusement, avec notre problème financier, c'est un petit peu compliqué. On peut pas trop se permettre de se séparer de lui, parce que c'est le seul qui arrive à baisser notre inflation un peu. Des états, ouais, des états, non, de toute façon on va pas dépenser des points admin maintenant, c'est pas intéressant. Là ils nous font chier, hein, franchement. On va devoir se prendre un emprunt, ouais, on va devoir se prendre un emprunt supplémentaire. Les Yéménites qui vont se soulever. Je pense que je vais faire une répression implacable pour eux parce que. Hop. On peut pas se permettre d'avoir encore une rébellion qui pète là, quoi. Si j'enlève les forts, est-ce que j'arrive à équilibrer un peu? Ça m'étonnerait, hein, mais. On va enlever les deux forts les moins importants ici. On peut prendre une nouvelle technologie, parfait, on la prend tout de suite. Et on va devoir prendre un emprunt supplémentaire. C'est dommage, hein, on avançait bien, mais vous êtes en train de bouger ou pas? Oui, vous êtes en train de bouger. 18 000, on va envoyer un peu plus d'hommes. Ouais, on a pris un emprunt, ok, ici on va lancer un entraînement de ses 4000 péons histoire de. S'il arrive à reprendre ça à 12% avant que j'arrive, je vais être un petit peu blagé, je vous préviens. Ok, l'Autriche c'est fait.
Bon, vu qu'on a du blé, est-ce qu'il y a des choses intéressantes à construire? Ouais, même ça c'est pas dingue, hein. Ah, on faudrait qu'on améliore nos forts, hein, putain. Ah ouais, il faut faire ça aussi. On va améliorer celui-là, parce que c'est celui-là qui nous coûte, enfin qui nous a le plus aidé face aux Ottomans, très clairement. Allez les gars, il va être temps d'y aller là, parce que s'il tombe à 7%, ça va être vraiment le drame. C'est marrant parce que Rosette du coup s'est arrêté vu que c'est occupé, mais il s'est pas en rouge. Allez, on y va. On est deux fois plus nombreux, ça devrait pas nous coûter trop cher en hommes quand même. Voilà, pff, bordel. Allez, on se sépare. Allez vous occuper de ça. Les liens du sang. Ok, on gagne un peu de points. Parfait. Demi-tour, vous. Allez vous regrouper avec ces gens. Ah, on a un général, bah celui-là qui est mort. Dommage, c'était notre meilleur, je crois. Ici, on va retourner du côté d'Arar. Ok, la transoxiane c'est fait. Alors regardons un peu. Est-ce qu'on a des nouvelles possibilités d'alliance? Oh, on pourrait s'allier avec l'Autriche, dis donc. Voilà qui est, ma foi, très intéressant. Est-ce que c'est toujours le chef du Saint-Empire? Oui. Oh bah oui, ah bah on va prendre. Carrément. Une alliance avec l'Autriche et un mariage royal avec l'Autriche. Ça, c'est une excellente nouvelle. Il a été excommunié. Eh ben écoute, c'est pas grave. On est marié avec quelqu'un qui a enfin, on va se marier avec quelqu'un d'excommunié. Je m'en remettrai. Ça c'est extrêmement intéressant par contre. Ça c'est le truc qui peut te permettre de sauver une partie. Hein. Autriche, un petit mariage royal. Allez hop. C'est parti. On est cinquième des grandes puissances quand même. C'est plutôt propre. Devant la Russie, devant le Ming. Bon, le Ming à cause de son malus énorme d'institution, mais quand même. Et pas très loin de la Castille, hein, finalement. Donc on a réussi plus ou moins à se sortir de cette phase de rébellion. On va aller ici s'occuper de gérer ce dont il y a besoin de gérer. Ici on peut mettre combien d'hommes ici? 26 000, hein, c'est pas ouf. Hein. Il y a peut-être un moyen de faire mieux. 27 000 sur la capitale. Putain, nos territoires ils sont quand même bien pourris. Ouais, allez là. Ah bah quoi que non, en même temps vous êtes suffisamment nombreux, donc non. Entraînement les gens. Et ici, neutralisation des rebelles. Voilà, parfait. En route pour la gloire. 1 sur la valeur brute de Locos. C'est le truc qu'on est en train de coloniser? Absolument pas. Non, c'est un... Locos... Comment... Alors c'est quoi? C'est 2i? C'est un i? I-L-O L-L-O. Ok, ça a quand même l'air d'être I-L-O, hein, pourtant I-L-O, mais je ne connais pas. Non, je connais pas cette province, mais elle a gagné un de valeur fiscale, et ben, parfait. Vous, je voulais aussi que vous vous occupiez de ça. Voilà, moins 0,1, c'est parfait. Ici ça gueule pas, ici ça gueule un peu mais c'est pas grave, ici ça gueule encore pas mal mais tant pis, font avec. Nous on va essayer de s'entraîner un peu. Alors, donc les offres d'alliance du coup on est plutôt bien, on est remonté à 4 de... à 4 et on a quand même des alliances assez intéressantes, hein. Je pense pas que l'Ottoman va se risquer à nous attaquer dans ces cas-là, donc on va pouvoir commencer doucement à envisager des choses plus fun. Genre partir par là-bas. Genre faire un max de revendications sur les Mamelouks. Peut-être même faire des revendications sur Mara, on verra.
Vous entraînez-vous? Non, putain, mais entraînez-vous. On peut prendre une doctrine diplôme, mais on a encore un peu de retard. Donc on va pas tout de suite la prendre ici. Vas-y, explore un peu le Pacifique. Fais-toi plaisir. Donc à l'Audi, je pourrais l'intégrer, hein, mais j'aimerais vraiment bien m'occuper de ça là avant. Oui, c'est vrai qu'on avait dit qu'on pourrait envoyer un missionnaire aussi ici. Je crois que c'était avant que les Ottomans décident de nous sauter sur le coin de la tronche. Mais vu qu'on est déjà en train de s'occuper d'Alexandrie, on va faire une chose à la fois. En plus, il y a moyen qu'on ait un event sympa si on arrive à convertir Alexandrie. Défection de marchands. Non, un petit peu de mercantilisme, ça me va bien. Tiens, on n'avait pas converti jusque là, ok. Bon, c'est pas grave, nos missionnaires travaillent à plein. Donc les ordres font toujours un peu la gueule, on pourrait faire ça. Oui, on va faire ça même. Au niveau de l'agitation, ici ça va. Encore 13 à Alexandrie, ah mais c'est la conversion. Les séparatistes mamelouks, ils lâchent pas l'affaire. Hein. Nos revenus sont pas non plus dans le mal. Ah, notre général qu'on venait juste de prendre ne nous servira plus. Pff, abusé. Bon bah venez là, viens là et entraîne les troupes. Ici ils feront 100 pour l'instant. Pourquoi on perd autant de sous là? Pourtant on a refait nos réserves, c'est plutôt pas trop mal je trouve. Bah c'est vrai qu'on a pris pas mal d'emprunts mais quand même. Bah il va falloir qu'on fasse quelque chose. Hein. Alors augmenter la corruption. C'est ouais. C'est un petit peu le drame ça. Déjà que ça nous coûte pas mal de lutter contre la corruption. Qui augmente à cause de notre unité religieuse. Ça nous coûte 0,73. Rien que pour ça. Putain la vache quoi. Ici on va prendre cette tech, voilà. Et on est de nouveau un petit peu en avance hein, en termes diplomatiques, et ça c'est cool. Ah et on a réussi à convertir un truc. Du coup on repasse en positif de pas mal. Alors, et on a réussi à convertir Alexandrie, et ça fait bien plaisir. On va donc pouvoir prendre un truc ici. Alors, ouais, bon, on va prendre ça. Hein. Ah, quoi, je peux pas? Ah non, parce que Antioche a été repris et reconverti. Ah, dommage, dommage, dommage. Très, très dommage, le jeu n'est pas si bête. Donc, on pourrait envoyer quelqu'un ici, du coup. Oh, fief d'art. Ah, ouais, non, mais on n'y arrivera jamais. On n'y arrivera jamais parce que c'est fief d'un truc aristocratique puissant. Dommage, dommage. Ah, du coup, quelles sont nos possibilités? Mereg. Mereg, c'est où? Hop là. Mereg, ça fait partie de cet état-là, hein, donc on va y aller. Puisqu'on a un édit là-bas. Ici, Rosette, ça continue d'avancer tranquillement. Ça n'en sera que plus rentable à terme. Ici on est à moins 82, oui mais à cause de la gestion de la rébellion donc les Mamelouks nous ont réinsultés, pourquoi pas. On peut en envoyer un autre, on va l'envoyer, ça restera positif. L'importance du savoir, alors les monastères éthiopiens sont célèbres, hein, ils essayent d'attirer des maîtres. Ok, donc on investit dans l'administratif et ça nous coûte une blinde. On investit dans le diplomatif où on gagne un tout petit peu de sous. Si je fais ça, je vais devoir reprendre un emprunt. Hein. On en a combien des emprunts? Oh, on a beaucoup trop d'emprunts, je peux pas me permettre. Non, non, on va gagner un peu de sous, c'est pas dingue. Hein, mais on n'a pas trop le choix malheureusement.
Ici, on est à moins 9, et les troupes de notre partie aident. Ici, on est à moins 1, donc ouais, non, on est obligé de continuer de filer un petit coup de main. Ah, et on peut prendre une tech, mais 20% c'est pas rentable pour l'instant. Par contre, on a pris une bonne avance quand même, hein, en termes de technologie, et ça fait plaisir. Ici, ils sont à 12, ils sont à 13, mais l'Inde est à 13 également. Je pense que on va continuer. Je crois que si je paye pas les troupes, ça continue d'avoir un effet, la répression, on va voir. Ah non, ça diminue un petit peu, mais ça va, on peut se permettre. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir complètement recruter un peu. Il me semble que j'ai fait un régiment, non? Allez, hop, c'est parti. Prendre ce qu'il faut, toi on va t'envoyer là-bas. On va recruter un petit peu de troupes, maintenant qu'on commencerait à réavoir des réserves, dans l'optique de se préparer à une attaque Mamelouk. On peut reconvertir des trucs. Alors Merka. Merka, ça fait partie de ça, hein, donc ça coûte cher. Mogadiscio également, mais ça coûte cher. On peut prendre une doctrine. On va débloquer une nouvelle doctrine au prochain rang, mais j'ai bien envie de la prendre. Comme ça, on va terminer celle-là. Et on prend un petit peu d'innovation en passant. Et on peut prendre une politique. Ah, ça c'est très intéressant ça. Arme de siège moderne, valeur de siège des commandants, plus 5, capacité de siège, plus 10%. Et ben voilà, une première politique. Ça c'est super cool. On avait ce truc là au fait, ça faisait quoi? Tolérance envers les hérésies, ouais, ok, on s'en fout un peu. Ok, ça c'est vachement sympathique ça. Allez, c'est parti, continue ton exploration toi. Ici, on se regroupe. Un diplomate mamelouk a été découvert, rien que de très classique. Ici, on continue de s'entraîner avec nos petites troupes. Au niveau professionnalisme, on n'est pas ouf, hein, on n'est même pas à 10%. Ah, on était repéré ici, merde. Ah, dommage. Dommage, dommage. Est-ce qu'on pourrait les insulter pour la peine? Non, on pourra pas. Mamelouk se prépare à attaquer Mara. Tiens donc. Pourquoi pas? Les hospitaliers raident nos côtes, hein. Grand classique. Tunis résiste quand même, hein. Le Maroc s'est fait bouffer gravement par l'Aragon. Bon, l'Aragon qui est allié à des gens qui nous aiment pas, mais on va quand même essayer d'aller le draguer un peu en speed. Bon, vu notre blé, on peut se permettre de convertir, on va lancer quelques conversions. Même si toujours pareil, hein, ça sera intéressant de gagner des sous pour pouvoir rembourser les emprunts. Il faut qu'on puisse faire ça. Putain, mais nos commandants, quoi. Nos commandants. Allô, les commandants. On n'a plus aucun commandant. On en avait plein, on n'en a plus un seul. Et on peut pas leur demander parce que, bien sûr, ils sont tous morts ici. Ça fait bien plaisir. Qui c'est qui veut passer? Oman, en guerre contre Mara et Timuride. Oh, la foutre de ta guerre, je sais même pas pourquoi tu veux faire ça. Tiens, les Ottomans sont en guerre contre qui? Ok, juste contre Alasha pour le finir. Bon, bah, ça devrait pas être trop un problème, je pense, pour eux. Ouais, bon, bah, cet épisode est un petit peu plus calme, hein. Je pense qu'on va commencer à grossir par là-bas. Dès qu'on aura rétabli un peu nos finances, ce qui commence doucement à être le cas, mine de rien. Acheter un œil en speed au bâtiment, non, toujours rien de fou. Au niveau des marchés, voilà.
Ah tiens, ça pourrait nous permettre d'économiser 0,19 quand même, hein, ce tribunal. C'est pas inintéressant. Après, on paye nos bâtiments très cher à cause de l'inflation. Et ça, c'est bien sûr un peu dommage. Ici, ça remonte doucement. On va leur faire une donation, mais... Ouais, ça nous permettrait de gagner quand même pas mal hein, en sous à terme, mais ça remonte doucement, donc on va pas s'emmerder avec ça. Ok, bah du coup je pense qu'on va arrêter notre épisode là. J'espère qu'il vous aura plu. La semaine prochaine, on va essayer de grandir un peu sur Killua et compagnie, si on peut, ce serait cool. N'hésitez pas en tout cas à me laisser un petit commentaire si vous voyez d'autres suggestions, d'autres choses qu'on pourrait faire. Et on se dit à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.